histoire. D'abord, des ordonnances présidentielles lues ici par le porte-parole du chef de l'État, Kasongo Mwemba Yambayamba. Suivez. La première ordonnance est l'ordonnance numéro 20-021 du 6 mars 2020 portant nomination des membres de la coordination du service spécialisé dénommé Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 79. Vu l'ordonnance numéro 09-003 du 30 janvier 2009, portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, tel que modifié et complété par l'ordonnance numéro 18-093 du 14 juillet 2018 et par l'ordonnance numéro 19-008 du 5 mars 2019, spécialement en son article 3. Vu l'ordonnance numéro 20-013 du 28 février 2020 portant création, organisation et fonction président de la République dénommé Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, en sigle ACTED, spécialement en ses articles 3 et 7. Vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Sont nommés en qualité de membres de la coordination du service spécialisé au sein du cabinet du président de la République, dénommé Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable en sigle ACTED, aux fonctions en regard de leur nom, les personnes suivantes. Madame Malanda Diatouka Marie-Pascal, coordonnateur. Monsieur Minengu Mayoulou Jean de Dieu, coordonnateur adjoint. Article 2. Sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 6 avril 2020. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 6 avril 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemir Kolongele Eberande, directeur de cabinet adjoint. La deuxième ordonnance porte le numéro 20, elle porte nomination des membres de la coordination du service spécialisé dénommé Conseil présidentiel de veille stratégique CPVS en sigle. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 79, vu l'ordonnance numéro 09-003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, tel que modifié et complété par l'ordonnance numéro 18-093 du 14 juillet 2018 et par l'ordonnance numéro 19-008 du 5 mars 2019, spécialement en son article 3. Vu l'ordonnance numéro 20-013-TER du 19 mars 2020, portant création, organisation et fonctionnement d'un service spécialisé dénommé Conseil présidentiel de veille stratégique, CPVS en sigle, spécialement en ses articles 6 et 9, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Sont nommés
en qualité de membre de la coordination du service Conseil présidentiel de veille stratégique, CPVS en sigle, aux fonctions en regard de leur nom, post-nom et prénom, les personnes suivantes. Monsieur Mwamba Kishimbi François, coordonnateur. Madame Souminoa Toulouka Judith, coordonnateur adjoint. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 6 avril 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 6 avril 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Kolongele Eberande, directeur de cabinet.